Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma petite tasse trop cute de café que je vais resserrer parce que j'en ai déjà un peu trop bu. J'ai refait cette intro plusieurs fois parce que je galère avec la lumière et du coup j'ai une lampe littéralement au-dessus de vous. Il y a une lampe gigantesque qui tente de m'éclairer. Mais je vous retrouve pour les FAQ annuelles que je fais maintenant depuis 3 ans. Cette année, je me suis un peu questionnée sur est-ce que c'était utile ou pas de faire cette FAQ et de répondre à des questions sur moi. Enfin, en fait, l'année passée, je vous annonçais les trucs qui étaient gros, je vous annonçais la sortie de mon titre Luna, qui a maintenant un an d'ailleurs, le fait que je partais au Costa Rica, le fait que j'allais faire un master à Paris, enfin, des trucs hyper gros. Et cette année, je suis en mode, bah niveau projet, j'ai plus trop de projets. Mais en vrai, aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de ma vie à Paris, de le master que je fais, mon alternance, mon engagement écologique. En fait, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. Donc j'espère que ce sera pas trop ennuyant, j'espère que vous allez découvrir des trucs. Posez-vous, prenez une petite boisson chaude. En même temps, je vais me préparer et je vais essayer d'être rapide. Dans la barre d'infos, vous aurez les petits curseurs. Et si jamais vous voulez aller voir une question en particulier et pas regarder toute la vidéo, faites comme bon vous semble. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Je bois une gorgée et on commence. On va commencer avec une question classique que je me pose tous les ans, qui est comment vas-tu, Colline? Comment ça va? Comment va la vie? Aujourd'hui, en ce 15 janvier 2023, je peux dire que je vais très bien. Je suis trop bien dans mes baskets, je suis trop bien à Paris. Je pense que je me suis jamais aussi bien sentie comparée aux deux dernières FAQ, aux deux dernières années, qui étaient pas difficiles. Je vais pas mentir et vous dire que c'était difficile et que je vivais des trucs durs, mais que j'étais un peu plus confrontée à l'anxiété, à des questions que je me posais sur ma vie, ce que je voulais faire. Et là, actuellement, je me rends compte que j'ai pris les bonnes décisions et je suis super contente de mon année 2022 qui était littéralement genre une des meilleures années de ma vie, si pas la meilleure année de ma vie pour le moment. Espérons que 2023 sera aussi bien, voire mieux. Je suis hyper fière de moi et je suis trop contente d'avoir enfin réussi à sortir tous mes projets dont je vous parle depuis des années, genre je vous parlais de mon EP depuis un an, deux ans. Et c'était pas du bullshit, c'était pas du bullshit. J'ai sorti tous mes projets, mon EP, je suis partie au Costa Rica, j'ai rencontré un de mes meilleurs potes qui s'appelle Sébastien au Costa Rica, j'ai fait plein de rencontres, je suis devenue célibataire. C'est aussi un grand changement dans la vie de devenir célibataire après de nombreuses années, mais c'est un changement positif. J'ai emménagé à Paris, j'ai commencé un master, j'ai fait mes premiers concerts, enfin, c'est n'importe quoi. Littéralement, je trouve que c'est n'importe quoi ce qui s'est passé dans cette année 2022. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de voir la suite de 2023, ça commence sur de bonnes bases. Comment ça va la vida à Paris et est-ce que je m'y plais? Étonnamment, on m'avait toujours dit « Colline, tu vas pas kiffer Paris, c'est pas pour toi, ça te correspond pas, t'es quelqu'un de trop chill pour Paris. » Et au final, là actuellement dans ma vie, à mes 23 ans, je pense que c'était le meilleur endroit où je pouvais me trouver. Je suis hyper stimulée par mes projets, je suis hyper stimulée par plein de choses. Et en fait, je me verrais pas être même à Bruxelles pour le moment parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop calme pour moi, là, actuellement, dans ma vie. Donc, je me sens super bien à Paris et je suis trop contente de mon appart. J'habite dans le 20e arrondissement pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi. Et j'aime trop cet arrondissement, j'adore. À la base, Paris, c'était pas un endroit qui me faisait rêver, surtout que je suis arrivée dans un contexte où je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais, qui vivait à Paris. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais postulé à un master à Paris. Il s'est avéré que quand j'ai été prise, quelques mois après, nous nous sommes séparés. Et donc je suis arrivée à Paris un peu en mode comment ça va être? Est-ce que je vais kiffer être dans cette ville? Finalement, je m'y sens hyper bien, je m'y sens même mieux qu'avant. Donc si jamais là actuellement tu te sens pas bien dans une ville par rapport à des raisons amoureuses, par rapport à des ruptures amicales, amoureuses ou une mauvaise situation professionnelle ou scolaire, la ville, cette ville n'est pas bannie pour toi pour toujours. Genre tu vas pas détester cette ville toute ta vie. En fait, le truc, c'est que je trouve que l'expérience que t'as dans une ville, c'est vraiment propre aux personnes avec qui t'es. J'ai eu des bons souvenirs à Paris, je vais pas cracher dans la soupe, mais l'expérience que j'ai actuellement n'est pas la même. Où là, je suis venue solo à Paris, même si je connaissais des gens, je suis venue solo ici. Et j'ai pu vraiment construire ma routine, mes habitudes, et pas faire en fonction de quelqu'un. Du coup, je m'y sens beaucoup mieux que les dernières années où je venais régulièrement à Paris. Je suis trop contente de vivre ici et trop hâte de rencontrer d'autres personnes. Je m'entends super bien avec les gens de ma classe et du coup, je suis trop contente d'être ici et de rencontrer ces nouvelles personnes. Pourquoi je suis venue à Paris en fait, même si j'en avais un peu parlé l'année passée? En gros, ici, j'ai commencé un master en développement durable et stratégie de com. Responsable, c'est du coup un master qui traite des enjeux environnementaux et sociaux. C'est un master qui se trouve dans l'école de sub de pub dans le 15e à côté de la Tour Eiffel.
Ce qui est un peu chiant parce que c'est à 1 heure de chez moi. Mais bon, c'est la vie, rien ne peut être parfait. Et du coup, c'est un master qui traite principalement de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui est un sujet qui, moi, me parle pas de ouf. C'est pas du tout ce que je veux faire et je veux pas travailler en tant que responsable RSE dans des entreprises. Mais à côté de ça, on a des cours vraiment de culture générale sur l'écologie, l'éco-conception, la biodiversité, les limites planétaires. Vraiment des sujets hyper globaux par rapport à l'historique et des trucs hyper techniques par rapport au changement climatique, etc. Et on a aussi des cours de com, ce qui moi m'intéresse parce que moi perso, je me vois plus faire de la com dans des ONG, des assos, des marques. Et du coup, ça me plaît de ouf. Les gens de ma classe, franchement, si les gens de ma classe ils passent par là, les gens de ma classe sont super cool. Je m'y sens trop bien, c'est la première fois de ma vie où j'ai envie d'aller à l'école et j'ai envie de voir les gens de ma classe et j'ai envie de participer et c'est vraiment trop bien. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est un master qui est en alternance parce que perso j'avais pas envie d'avoir un master de blabla théorique. Trop content de faire ce master en alternance et mon alternance je la fais chez On est prêt qui est une asso qui traite des enjeux également environnementaux et sociaux. Ils sont principalement connus sur Instagram, ils ont fait plein de collaborations avec des influenceurs, des youtubeurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et je me sens trop bien chez On est prêt, et du coup le poste que j'ai chez eux, c'est que je suis assistante... Attends, c'est quoi le nom de mon poste exactement? Assistante en communication, et en fait moi je fais tout ce qui est vidéo. Donc en fait je suis spécialisée dans le format vidéo chez eux, ce qui est précisément ce que je veux faire, et précisément ce vers quoi je veux... postuler et travailler après. Quels sont tes projets après ton master et qu'est-ce que tu veux faire en fait? Je suis plus dans le délire de prévoir un peu tous les aspects de ma vie et tout mon plan parce qu'en vrai, les choses changent en un claquement de doigts. Il y a 6 mois, 10 mois, ma vie n'avait littéralement rien à voir avec ma vie actuelle. Donc j'ai pas envie de partir du principe que je ferais ci ou ça, mais c'est sûr que j'ai des idées en tête. Un truc que j'aimerais beaucoup faire et auquel je pense énormément, et j'en ai parlé hier avec mon pote Sébastien du Costa Rica, c'est que j'aimerais beaucoup retourner au Costa Rica, à Ovita, où j'étais pendant 3 mois, début 2022. J'aimerais beaucoup y retourner après mon master. Je sais pas si j'irai directement après mon master ou si je travaillerai pendant 6 mois, 1 an en plus à Paris. Je pense pas que je vais vivre au Costa Rica parce que j'adore vivre en France. J'aimerais aussi beaucoup retourner à Bruxelles, là où il y a tous mes potes, ma famille, et j'adore la Belgique, j'adore vivre en Belgique, donc pourquoi pas aussi retourner à Bruxelles. Mais je vous avoue que là, sur le plus court terme, je me verrais plus travailler 6 mois en France, pourquoi pas continuer chez On est prêt si c'est possible, et puis ensuite partir 2 mois, 3 mois au Costa Rica, revoir les gens que je connais là-bas, me poser, faire pourquoi pas du freelance en tant que vidéaste. Il est dégueu mon café, il est horrible, il est transparent. En fait j'ai trop envie de retourner au Costa Rica, c'est un endroit où je me suis sentie super bien, super libre, super moi-même. Donc pourquoi pas retourner quelques mois et après un peu voyager, apprendre l'espagnol et tout. Mais à voir, on verra, je pense que potentiellement je travaillerai d'abord un petit peu histoire d'avoir de l'argent parce que là je suis broke as fuck. Je mets aucun sou de côté parce que, enfin, je pense que ceux qui me regardent et qui sont en alternance, on n'a pas de sous. Je n'ai pas de sous, surtout que je fais plus de collaboration. J'ai très peu de demandes de collaboration depuis 6 mois, 1 an, depuis que je me concentre plus sur ma musique. J'ai vraiment plus de demandes de collaboration, donc si jamais il y a des marques qui me regardent, ou que vous avez une marque et vous voulez collab avec moi, envoyez-moi un petit mail, je serai partante pour avoir un peu d'argent et travailler avec des marques cool. Et la question suivante, c'est par rapport à le fait de travailler, du coup, dans un secteur écologique. Est-ce que c'est pas angoissant, genre, de travailler dans l'écologie, d'avoir ces informations constantes? Ça peut être en partie angoissant. Après, moi, je me renseigne sur le sujet depuis des années. Enfin, des années. Ça fait quand même 2-3 ans que je suis sensibilisée sur le sujet, que j'encaisse d'informations. Donc, en fait, la remise en question et la question un peu de deuil, de faire le deuil de ce monde futuriste qui, en fait, n'est plus comme on l'imaginait quand on avait 5-6 ans. En mode, ouh, le monde va être incroyable, on va avoir de la neige tous les hivers, on va voyager comme des fifous. En fait, non, ça, c'est plus possible dans le monde actuel. Et ça, je pense que j'ai fait, entre guillemets, le deuil de, je sais pas, des informations que j'avais encaissées et de ce monde qui n'est plus le même et qui n'est pas pour autant, rien n'est fait et rien n'est foutu. Je préfère préciser, je suis pas... je vais pas vous dire que je suis hyper positive par rapport à ce sujet, mais je suis pas négative non plus parce que je travaille là-dedans et que je sais que le fait d'avoir décidé de travailler dans ce secteur, ça amène du sens et ça amène aussi de la positivité où tu vois les gens autour de toi
qui veulent trouver des solutions et qui travaillent ensemble pour trouver des solutions. Il y a plein de choses positives qui avancent également, c'est juste que principalement dans les médias on voit plus les trucs un peu plus négatifs. Oui, c'est difficile à certains moments parce qu'en plus de l'école où on apprend beaucoup de choses sur le sujet et en plus du taf, c'est beaucoup d'informations à traiter, mais le fait de taffer là-dedans et d'investir ton temps là-dedans, enfin je veux dire, quand t'as un job c'est 35 heures, 40 heures semaine de ta... enfin c'est énorme en fait, 35 heures semaine qui sont dédiées à quelque chose, alors autant le dédier à quelque chose de positif. Enfin je me verrais pas travailler chez Zara et consacrer 30 heures, 35 heures de mon temps à Zara, alors qu'en fait je peux consacrer ces 35 heures à une ONG, à une asso, à une marque engagée, à quelque chose de positif. Donc en fait je pense que c'est un peu lié avec la question d'éco-anxiété, c'est que la meilleure manière de pas être angoissé, c'est de transformer la colère et les mauvaises informations en action. Et moi je peux juste vous conseiller de travailler dans ce domaine en fait, de travailler là-dedans, de travailler avec des marques qui sont positives, de travailler avec des gens qui sont positifs et de pas être en contradiction avec vos valeurs. Alors évidemment c'est pas si simple, on n'a pas tous la chance de pouvoir choisir nos études ou de pouvoir travailler dans n'importe quel domaine, on est d'accord, mais si vous avez l'occasion de choisir vos études, de choisir votre entreprise, bah franchement moi ça m'apaise et ouais, ça m'apaise de ouf de savoir que là je travaille dans un truc qui est cohérent avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Je pense que j'ai un peu fini avec cette vidéo, je vais terminer avec la question de mes projets. Bon, je vous avoue que cette année là actuellement je me suis pas mise la pression par rapport à mes projets. Je viens de terminer une ribambelle de projets récemment avec ma musique, mon EP que je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. Mais j'aimerais bien recommencer à composer sans me mettre de la pression de dire ok on repart sur un deuxième EP, on repart sur un album, on part sur ça. Mais j'aimerais beaucoup refaire des sons qui me rendent fière et travailler avec plus de personnes au niveau YouTube. J'ai aussi envie de faire plus de vidéos et je sais que je dis ça littéralement chaque année. Mais j'adore YouTube, c'est une de mes plateformes préférées, j'adore travailler sur YouTube, j'adore faire des vidéos et j'ai trop envie de... j'arrive pas à parler en mettant... c'est gloss. J'ai envie de faire plus de contenu lié à l'argentique, des journaux à l'argentique, parler un peu plus d'écologie et juste avoir des témoignages d'autres personnes et oser plus filmer avec d'autres personnes. Et au niveau de mes projets voyage, cette année j'ai envie de partir en train. Je suis très mal à l'aise avec la question de l'avion et de voyager en avion, même si je vais pas bannir l'avion pour toujours parce que bêtement je retournais au Costa Rica ou je retournais voir ma famille aux États-Unis, je suis obligée de prendre l'avion. Mais lorsqu'il s'agit de trajets en Europe, je suis super mal à l'aise parce que je me rends compte que c'est totalement contradictoire avec ce que je prône et mes études et mon alternance, etc. Donc j'ai trop envie de me lancer le défi là cet été de partir voyager en train pendant 3 semaines, 1 mois, aller dans les pays nordiques. Je voulais déjà l'année passée dans ma vidéo, je vous parlais que je voulais aller dans les pays nordiques. Et j'aimerais beaucoup faire de la voile aussi et filmer et prendre des photos en argentique. Enfin, juste faire du bivouac, faire du train et voyager dans les pays nordiques. Si c'est pas possible dans les pays nordiques parce que c'est un sacré budget, aller peut-être plus vers la Slovénie. Si jamais vous avez vous voulez vous renseigner par rapport au voyage en train, il y a Luan Mancho qui a fait des formats. Réelle en vidéo verticale sur son compte Instagram où elle explique comment elle voyage en train, sur quelle plateforme elle passe, combien ça coûte, etc. Hyper intéressant, donc allez voir ça. Et voilà, ça c'est un peu mes projets court terme, un peu de voyage, de la vidéo, travailler pour mon alternance et vous faire du contenu et kiffer et faire du son. Et de toute façon vous pouvez toujours suivre toutes mes aventures sur mon compte Instagram où j'essaye de vous partager un max de trucs tout en étant dans la limite du raisonnable. Je pense que c'est tout, je vais aller travailler, je vais reboire un café et on se dit à la prochaine. Tous les trucs que j'aurais mentionné dans la barre d'infos seront... Non, tous les trucs que j'aurais mentionné seront dans la barre d'infos. Et c'est tout, je vous dis à la prochaine. Ciao.